Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis au top du top. C'est le jour 3 de mon défi. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul spéciale Fashion Nova. Comme vous avez vu dans les titres, j'ai dépensé plus ou moins 300$ sur le site Fashion Nova. Je vais vous dire tout sur Fashion Nova. Les points positifs, les points négatifs. Je vous promets de dire la vérité, rien que la vérité. On lance les génériques et on se retrouve tout juste après. Nous revoilà. Si vous ne me suivez pas encore sur mes réseaux sociaux, je vous mets Instagram juste là, Snap juste là, comme ça vous pouvez me suivre. Alors, pour les sites Fashion Nova qui fait fureur sur les réseaux sociaux, Instagram, tous les Instagrammeuses, OnFleek s'habillent chez Fashion Nova, ok? Parce qu'ils proposent en fait des vêtements, vous voyez, des vêtements bien taillés, avec les femmes avec le corps bien taillé. Je me suis dit, je vais essayer. Fashion Nova, c'est pas que pour les filles. Non. C'est aussi pour les garçons. Il y a des beaux trucs pour les garçons. Fashion Nova, c'est un site américain. Mais leurs vêtements, je crois que ça vient de la Chine parce que c'est made in China. Mais c'est de la bonne qualité, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord vous parler des points positifs pour ne pas vous faire peur. Après viendra le point négatif. Le point positif pour la matière, c'est de la bonne qualité. Ça, il n'y a pas photo. Le tissu est épais, c'est pas transparent. Ah, il n'y a pas de souci. Moi, je vous le dis, c'est vrai. Tout ce qui est qualité, c'est nickel. Rien à dire. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas été déçu. La taille, ça taille très bien. D'habitude, sur les sites comme ça des commandes, je prends toujours une taille au-dessus parce que à chaque fois que j'ai pris ma taille normale, soit ça serrait ou ça n'allait pas et tout ça, du coup, je prends une taille au-dessus. Mais sur Fashion Nova, je prends ma taille et ça me va, ça ne sert pas, c'est normal, c'est ma taille comme si c'était sur mesure. Passons au point négatif. Les frais de port, ça coûte 15$, 12€. Je trouve ça beaucoup. Pour avoir les frais gratuits, il faut 125$. Deuxième point négatif, la durée d'expédition. Sur le site, ils mettent de 7 à 10 jours. Mais mon œil, j'ai commandé 3 fois. La première fois, j'ai reçu ma commande en 8 jours. Donc, je me suis dit, ouais, ça va. De 7 à 10 jours, donc tu reçois en 8 jours, ça va. Ma deuxième commande, je l'ai reçue en 10 jours. Ça va. La troisième commande, je l'ai reçue en 13 jours ou 12 jours. C'était même pas ma commande, c'est ma tante qui a aimé et tout ça. Et puis j'ai commandé pour elle. Ce qui était embêtant parce qu'elle devait le porter à une fête. La fête est passée, elle n'a pas reçu son vêtement. Si vous voulez commander les vêtements sur Fashion Nova, prévoyez plus de un mois. Comme ça, vous êtes tranquille. La dernière fois que j'ai commandé, je l'ai reçu en un mois. J'ai passé ma commande le 19 octobre. D'abord, est arrivé en Belgique le 20 novembre et je ne l'ai pas reçu le 20 novembre parce que les gens, la compagnie là de transport, ont mal noté mon adresse. Il y a mon numéro au-dessus, mais ils ne m'ont pas appelé pour vérifier ou quoi. Non, pas du tout. C'est moi qui ai pris la peine de les appeler et c'est là qu'ils me disent « Ah ouais, votre commande est déjà là, mais l'adresse est mal notée. » C'est là que je donne maintenant mon adresse et ils m'ont livré. Ma commande est restée là-bas, ici en Belgique, pendant 5 jours ou 6 jours, pendant que moi, je m'inquiétais que ma commande n'est pas là. Le troisième point négatif, c'est le service client est vraiment pourri. Tu t'inquiètes, tu les envoies un mail. Ça fait 3 semaines, je n'ai pas reçu ma commande. C'est comment? Et les gars, tu as payé ton argent et tout. Ils ne prennent même pas la peine de te répondre. Non. Tu reçois le mail automatique où ils disent, c'est en tout cas la réponse que j'ai reçue, nous sommes en train de déménager et veuillez patienter. Un message comme ça, un mail comme ça, et qu'ils sont en train de déménager, et après le déménagement, les services vont être améliorés. What? Vous foutez de moi ou quoi? Ils ont dit qu'ils ont amélioré. Je vais encore leur donner une dernière chance pour voir si ça s'est vraiment amélioré. Si tu commandes, il faut faire bien attention de choisir ta taille ou de sois vraiment sûr que tu veux commander. Ah, premièrement, les retours, c'est toi qui payes. Fashion Nova ne rembourse pas du tout. Ils vont te donner un chèque cadeau que tu vas l'utiliser que sur Fashion Nova. Maintenant, assez de bavardage, on va passer haul.
Ce qu'on va faire, en fait, je vais vous montrer les articles avant et ensuite à la fin de la vidéo, restez vraiment à la fin et je vais vous mettre un petit lookbook avec les vêtements portés. Bon, je vais pas porter tous les vêtements ou si ou pas, mais les vêtements que je vais pas porter, je vais vous mettre les photos là. C'est parti pour les hauls. Cette ceinture là, la boucle ici c'est doré, assez énorme. Ça ajoute quelque chose à la tenue et tout ça. Tu peux mettre un manteau, une veste, un blazer, une robe même. Tu ajoutes la ceinture au-dessus. Nickel. Avec la petite touche dorée là. Vous avez déjà sûrement vu des pantalons comme ça avec de lignes comme ça. Je cherchais la jupe et j'ai trouvé sur Fashion Nova. Vous pouvez ouvrir comme vous voulez. C'est une jupe assez longue. Pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ma photo s'est retrouvée sur AliExpress avec cette jupe là. Si vous voulez une story time, dites-moi en commentaire, comme ça vous allez vous faire une story time. Comment je me suis retrouvée sur AliExpress. Cette chemise là, c'était à 20$. Mais voilà, à chaque fois il y a des codes promo. En tout cas, moi j'avais un code promo de moins 30%. Ça se présente comme ça. Il y a des fentes sur le côté comme ça. Et derrière aussi. C'est assez long, c'est assez une longue chemise. La chemise est bien simple, vous pouvez voir la matière. Vous pouvez attacher. Ensuite, j'ai pris cette robe là. Il y en a en noir aussi. Et vous étiez nombreuses à aimer aussi. C'est le manche, c'est vraiment bouffante comme ça. Il y a aussi une photo sur Instagram avec une capuche. La matière, c'est néoprène. C'est bien pour l'hiver parce que c'est assez épais. En dessous, c'est évasé comme ça. Je vais essayer de trouver les liens et vous mettre en barre d'infos comme ça sera plus facile. Il y a cette robe-là que j'avais portée à un mariage d'une pote. Invité en tant que photographe, la photographe qui met des robes de soirée. Par contre, ici, j'ai ajouté le tissu parce que devant, c'est un peu courte. Sur le mannequin, ça ne se voit pas comme ça. Ça se voit que devant, ça arrive au niveau du genou. Mais quand j'ai essayé, c'est peut-être moi qui est grande ou quoi. Mais ensuite, cette robe, comme je vous ai dit, j'ai eu moins 30% sur la commande. C'est écrit 2020 comme ça, avec la fermeture éclair devant. C'est une robe simple, noire, assez longue jusqu'en bas. Le manche, c'est un peu évasé. Je suis un peu moins fan niveau matière. C'est pas que c'est pas assez transparent. Quand j'ai vu sur les sites, j'espérais que ça soit assez épaisse. Je sais pas, c'est peut-être moins une robe simple, blanche comme ça. J'ai acheté la même robe chez Misguided en noir. Et franchement, je préfère largement de chez celle-ci de chez Fashion Nova. Là, premièrement, c'est doublé, donc il y a une doublure. Vous pouvez bien le mettre en hiver, en été. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est au niveau des bretelles, comme ça, c'est ajustable. Vous pouvez voir, vous pouvez ajuster. Ensuite, il y a cette robe aussi, une robe longue aussi, très colorée, jusqu'à la cheville. Mais la particularité de cette robe, c'est sur un seul côté, pas les deux côtés. Il y a des boutons comme ça que vous pouvez ouvrir, fermer si vous voulez une fente ou si vous voulez demi-fente. Il y a aussi d'autres couleurs. Pour les derniers articles, c'est aussi une robe. Donc vous voyez petit, mais vous pouvez rentrer facilement dedans. Col montante. Le manche, c'est comme ça. La longueur, c'est genre mi-mollet. J'aime bien, c'est très joli. Encore une fois, la matière, rien à dire sur la matière. Ce point, j'insiste, rien à dire sur la matière de vêtements Fashion Nova. Dans la commande, j'avais pris aussi un truc pour les garçons, un pantalon comme ça. Je vais peut-être vous mettre la photo ici. En tout cas, la matière, c'est un truc de dingue, c'est épais. Si tu mets Nike, tu mets la matière de Fashion Nova, je préfère largement la matière de Fashion Nova. C'est tout pour ces hauls. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et dites-moi en commentaire si vous voulez story time, comment je me suis retrouvée sur AliExpress. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse, je vous dis bisous de moi.